Le but de cette journée, en fait, c'est surtout c'est afin de permettre aux gens de se remémoriser et se mémoriser de ce qu'est le patrimoine. Et comme, en fait, notre patrimoine culturel, immatériel, immatériel, et le patrimoine même, les murs, etc., il faut absolument que l'on puisse continuer dans... Le but, surtout, c'est surtout pour la transmission que cette journée, elle est faite, elle est organisée. C'est de façon à permettre au public de réintégrer leur patrimoine et culturel, immatériel. C'est assez important, cela. Le cadre d'Ouslet, c'est un concept que j'ai mis au point. C'est avec l'association Contspagua. C'est une association que j'ai créée aussi. Et par la même occasion, j'ai créé aussi l'association Adeline. Revenons au cadre d'Ouslet. Le cadre d'Ouslet, c'est un concept. Ce n'est pas extraordinaire. Hein. C'est destiné à un public, des aînés, des seniors, et les aînés sont vraiment les seniors plus, c'est pour leur donner la possibilité de s'exprimer par leur corps, par leur état d'esprit. Et c'est surtout pour les sortir de leur zone de confort, qu'ils puissent s'impliquer au sein de cette société, parce qu'on voit que le plus souvent nos aînés restent en arrière, ils sont pas on a l'impression qu'ils restent enfermés. Donc c'est pour les faire sortir de leur quotidien et qu'ils puissent venir donner ce qu'ils ont, parce qu'il y a toujours quelque chose à en tirer. Parce que le casse douce tête, quand j'ai mis au point cette danse-là, c'est une chorégraphie, il y aura beaucoup plus d'histoire autour du casse douce tête, bien sûr. Mais en fait, c'est surtout, quand je leur ai dit, bon, on va faire une chorégraphie, ils n'étaient pas sûrs d'eux. Et puis finalement, ils se sont réunis. Ils ont pensé des choses, ils ont même, parce que, vous savez, hein, les aînés peuvent faire plein de choses, hein. Ils peuvent même créer des pas. Parce que quand, par exemple, on a un atelier de cadre d'Ouslet, on réserve au moins 5 à 6 minutes pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer. Et là, des fois, ils peuvent en sortir des pas, plusieurs créations, et tout le monde s'étonne, même eux-mêmes, ils s'étonnent de ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est vraiment une façon, c'est-à-dire que, il n'y a pas de sachant dans cette chorégraphie, dans cette danse. L'essentiel, c'est de participer et de faire ce qu'on peut faire. Voilà. Le doucette, pourquoi? Parce que le doucette, c'est... Je ne sais pas si tu connais le doucette. Le doucette, leur voit manger, ils sont en bitin qui doux. Hein? Et leur voit doux, ça veut dire qu'ils sont avant, sont douceur, sont en bitin qui sucré. Et qui monde qui peut un bitin sucré? Bitin sucré, la doux. Ça dit, c'est une façon d'être dans ces cas-là, mais danser avec douceur, danser avec vraiment en délicatesse, en façon vraiment qu'on doucelet. L'avenir pour ce cas doucelet, il y aura plein de choses autour, donc ça ne fait que commencer. Très, très, très satisfait. J'en suis même émue, parce qu'il y a eu, on a eu pas mal de gens qui sont venus, et on sait que le public qui était là, c'était un public averti, parce que on sait que ce sont des gens qui sont attachés à leur patrimoine et qui sont restés jusqu'à la fin. On a eu du retard, on a eu, vous savez, c'est le quotidien, on a toujours ce genre de petits problèmes. Mais ils sont restés jusqu'à la fin, voire jusqu'à 13 heures, et ils sont là encore parce qu'ils se sont installés, voilà. Et pour assister, pour tout prendre, que ce soit l'explication. Alors ça a commencé par mon parcours, après on a enchaîné avec le cadre d'Ouslet, et on a aussi enchaîné avec l'association Adeline qui a donné un défilé de costumes créoles assez remarquable avec M. Ronny Théophile, qui a vraiment retracé encore notre histoire de la Guadeloupe et sur notre patrimoine. Oh. C'est l'historique, effectivement, de la culture. Il faut savoir que moi, quand j'ai débuté, j'ai eu Mme Cachemire-Tol, j'ai eu Ronny Théophile. Mme Cachemire-Tol, au départ, était mon prof DPS. Donc, j'ai fait partie de son premier groupe quand elle a fait son premier spectacle à Dubouchage au Rex. Ensuite, il y a eu Ronny Théophile qui a été danseur dans la Briscante. Nous, quand on est arrivé, il n'était pas encore là, mais après, il est arrivé en tant que danseur. Ensuite, il y a eu quand j'ai fait partie de la Briscante, ensuite l'Académie du Cap. Ensuite, j'ai créé avec les anciens danseurs de la Briscante, j'ai créé l'association Adeline. Et ensuite, il y a eu aussi en parallèle l'association Contspagua, qui continue à faire ses recherches, à faire ses créations. Je dirais que la jeunesse est un peu hésitante quand même. Mais je suis sûre qu'elle va s'y intégrer, qu'elle va
Bon, de toute façon, c'est notre travail, c'est continuer à effectuer la transmission pour leur donner leur goût. Voilà. Ce que j'adresse à la jeunesse, c'est ne pas tourner le dos à son patrimoine, parce qu'un pays qui pas ni culture, pas ni l'esprit. Et donc, il faut quand même que yo prenne ça à bras le corps et continuer si qu'il t'y a yo patrimoine à yo. Parce que c'est ensemble nous y est. Parce que moi, c'est parce qu'il est ensemble, moi, c'est parce que c'est ça qui force moi. Et c'est ça aussi qui permet moi d'être une femme épanouie, d'être une femme guadeloupéenne et qui a mettez moi dedans. Qui m'a permis aussi d'être la femme d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, Janie, plus qu'à 40 ans. Absolument, c'est la semaine du patrimoine et Pointe-à-Pitre est une ville d'art et d'histoire, comme vous le dites, et le patrimoine n'est pas que des bâtiments, ce ne sont pas que des bâtisses. Le patrimoine, c'est aussi des gens, c'est des expériences de vie. Et ce matin, on a eu vraiment le bonheur de partager la présentation du parcours de Madame Cadenet-Hennelys, qui a vraiment épaté le public avec le récit de ses expériences. On a eu Jacqueline Cachemire-Tol, on a eu Ronnie Théophile, toutes ces personnes qui ont compté aussi la contribution de vélo. Et donc, je me dis que heureusement qu'on avait ces gens-là qui ont cru, qui ont reconnu la valeur de notre musique, de notre peinture, de notre nature et tout, et qui ont tout fait pour préserver l'héritage de nos ancêtres. Vraiment, je leur tire toute ma révérence et je leur dis merci. Je reconnais, Pointe-à-Pitre, c'est un petit territoire, une ville d'art et d'histoire, et il nous appartient, il m'appartient, puisqu'on m'a donné le mandat de le faire pour 6 ans, il m'appartient de préserver les locaux qui sont dédiés au patrimoine, et nous le faisons, nous avons de personnel affecté au pavillon pour l'entretenir. Nous allons y accueillir la Casa Condé, pour que Maryse Condé-Pointoise puisse être implantée définitivement dans son pays. Nous avons créé une école de musique à la salle Rémy-Nessouta pour que les enfants de tous les niveaux, de tous les grades, de toutes couches sociales puissent avoir accès à la musique. Et donc, on a recruté une directrice de la culture et des sports. Donc, pour nous, c'est essentiel. Pointe-à-Pitre a eu des moments difficiles financièrement, mais Pointe-à-Pitre n'a pas perdu son âme. Et cette âme-là est entretenue par tous les artistes, par tous les créateurs, par tout le public, par même les marchands qui vendent à ces marchés, qui vendent des épices, qui vendent thé, pays et tout. Tous ceux qui, celles qui viennent à Pointe-à-Pitre, parce que c'est une ville centre, c'est au centre du papillon que constituent Grande-Terre et Basse-Terre, et bien Pointe-à-Pitre doit être à la hauteur, et c'est ce que je veux, moi, un maire qui soit à la hauteur des ambitions et du patrimoine de la ville de Pointe-à-Pitre. Et bien, quand nous sommes arrivés, on nous a élus parce que Pointe-à-Pitre se mourait. Mais Pointe-à-Pitre est en train de renaître. Il fallait dans le premier temps nettoyer les écuries d'Augias. C'est ce qu'on a fait. On a nettoyé, on a réduit et presque résorbé le déficit. Dans un an, nous y arriverons. Et donc maintenant que Pointe-à-Pitre is back, on s'est remis debout et nous allons pouvoir investir maintenant. On n'a pas de baguette magique, mais nous avons la détermination de mener à bout la mission qu'on nous a donnée, celle que de faire de Pointe-à-Pitre la ville qu'elle a été et la redynamiser. J'en suis sûr, nous y parviendrons. Ça veut dire que cette semaine du patrimoine, l'année prochaine, sera plus grandiose ? De plus en plus grandiose, chaque année. Okay, merci. Voilà.